Non, ça, c'était pas le point le plus important. Je crois nous, on n'est pas connu pour prendre tes copains ou des gens qu'on connaît bien dans notre organisation. Je crois que c'était plus important de savoir une personne qui est bien chez nous, qu'on pense qu'il est bien chez nous, la même philosophie. Et maintenant, avec l'Ars et puis la situation avec Andy, c'était sûr un point important aussi que lui, il connaissait. Mais plus important, c'était aussi de voir avec l'Ars que lui, il sait la situation est comme ça. Et puis, il sait qu'Andy, il va des fois venir à l'entraînement, il va passer à la vestiaire des coachs. Et puis, moi, je supporte ça, je veux qu'il vienne parce que peut-être on peut l'aider un peu. Mais deuxième chose, c'est qu'il a un savoir du hockey qui est très, très haut. Et puis, serait con sur une situation, sur une côté de juste laisser à côté après pour nous. Alors, je crois que ça, c'est Lars. Et puis, c'est Lars et son philosophie. Et puis, on ne va pas lui dire tu dois jouer comme ça ou tu dois faire ça et ça. Je crois que ça ne marche pas. Ça, on a cherché un entraîneur comme Lars qui supporte la philosophie comme on a eu, jouer un jeu offensif, laisser aller les attaquants, les instincts offensifs. Mais je crois qu'on ne va jamais faire, ou bien jamais dire, ouais, fais ça, parce que quand il l'a fait, c'est vraiment son choix, c'est ses idées, puis c'est à la fois c'est lui qui est responsable sur ça, ce qui se passe sur la glace. On a discuté de ça, et puis pour moi, j'ai dit, je n'ai jamais fait ça encore, et puis ça, c'est une autre chose de faire deux semaines, et c'est un match ou six matchs, ou bien préparer une équipe au super pour cinq, peut-être six matchs, sept matchs, c'est une autre chose. Et puis sur l'autre côté, c'était encore nous, on a pas mal de contrats qui sont ouverts, alors il y a vraiment beaucoup à faire là. Et puis dans ces points de vue, on a décidé c'est mieux de moi sur la poste du directeur sportif, et puis d'amener un entraîneur qui gère l'équipe, qui est responsable pour l'équipe. Non, c'était pas facile, mais je crois que c'était tout correct. C'est pas Lars qui nous a téléphoné, c'est nous qui a contacté le SCBN, si c'est possible, qu'on lui contacte, qu'on parle avec lui pour la remplaçante de cette saison. Puis là, on a reçu feu vert, et puis là, on a lentement commencé à discuter. Et à la fin, il était un de nos top candidats. Et moi, je suis persuadé que lui, c'est le bon choix. Et puis, il va tout faire pour réussir et puis pour avoir le succès ici.